Pierre Frolla est un poisson parmi les poissons. C'est un peu l'enfant de la mer. Pierre est recordman du monde d'apnée, ce qui explique son aisance à plus de 30 mètres de profondeur. L'apnée est devenue sa vie depuis quelques années. Succession de records, de compétitions et d'entraînements ont rythmé une carrière bien remplie. Désormais, il s'éloigne peu à peu de cette course aux résultats, de ces chutes vertigineuses dans le bleu. Pierre n'a jamais oublié que l'apnée, c'est d'abord du plaisir. Faire corps avec la mer, laisser son esprit s'évader le temps d'une plongée, s'imprégner aussi de sensations pures comme nager au milieu des poissons. Pierre cherche une nouvelle voie, une nouvelle direction à donner à ce sport devenu une discipline de vie. Frédéric Buil est aussi apnéiste de talent. D'origine belge, il a écumé les lacs à la poursuite de records. Il a été moniteur de plongée à Porquerolles dans le Var et avait l'habitude de descendre en apnée sur l'épave du Donator à plus de 50 mètres de fond. Il a échangé ses records contre un appareil photo sous-marin. Depuis, il parcourt les océans pour immortaliser à travers son objectif la grande famille des apnéistes. Allô, Pierre ? Ouais, c'est Fred. Bon, dis-moi, là, je suis en train de regarder mes photos et du championnat du monde, là. Et j'ai peut-être un truc à te proposer. C'est que là, je me rends compte que pour le moment, j'en ai un peu marre de ce qu'on fait tout le temps. Les compètes, les photos dans le bleu le long du câble. Et qu'est-ce que tu penserais de faire une série de photos avec toi sur les épaves de Méditerranée et de France. Pierre et Fred sont complices depuis de longues années. La compétition les a d'abord confrontés avant que l'amitié ne prenne le dessus. Il n'en fallait pas moins pour déclencher cette quête de nouvelles sensations mêlant apnée, épave et photographie. On a choisi d'aller à la rencontre des épaves qui sont pour nous celles qui ont le plus d'histoire et celles qui sont le plus difficiles d'accès. On a voulu mettre un petit challenge dans notre aventure parce qu'il y a une multitude d'épaves en Méditerranée. Ce que l'on voulait, c'était quelque chose de très beau. On voulait vraiment se faire plaisir et difficile d'accès parce qu'on s'est dit ce qui serait intéressant, c'est d'aller à la rencontre d'épaves qui sont difficiles à accéder lorsqu'on est en plongée bouteille. Donc nous, on va le faire en apnée. Donc il y avait un challenge en plus sportif. On a dû se préparer physiquement d'une façon un peu spéciale, d'autant plus pour Fred qui lui en plus fait des photos en apnée. Donc il descend avec un appareil, un caisson qui est très lourd. Il doit faire des photos et ensuite remonter, m'abandonner au fond. Donc, on a voulu des épaves qui ont une connotation mystérieuse, on a voulu des épaves qui sont belles, on a voulu principalement des avions et des bateaux, on a voulu des épaves qui sont encore riches et pleines, dans lesquelles on peut rentrer, dans lesquelles on peut véhiculer, circuler. Des avions, parce que c'est tellement rare de voir des avions colonisés sous l'eau. Et ce qu'on a voulu faire aussi, c'est aller sur des épaves. Généralement, les gens ne les connaissent pas. Des choses qui sont peu plongées et que l'on veut faire découvrir au public. On a effectivement notion qu'on ne peut pas rester beaucoup de temps sous l'eau. On ne sait jamais si on pourra faire une deuxième descente parce qu'on a fait le choix avec Frédéric de descendre sur des épaves qui sont très profondes. Donc souvent on a recours à une gueuse qui nous amène au fond. On descend quelquefois au plus de 50 mètres, quelquefois même plus de 60 mètres. Donc ce sont des temps très très courts et quelquefois il y a une, deux, voire trois descentes maximum. Donc on est conditionné pour utiliser au maximum tous nos sens, que ce soit le toucher, l'ouïe, la vue. Et c'est vraiment du concentré, hein. C'est tout notre être qui va ressentir la grandeur de ce moment et de ce lieu.
C'est vraiment quelque chose, c'est très difficile à décrire, d'autant plus qu'on est tout petit, qu'on arrive dans une ambiance qui est un peu chaotique, qui est vraiment mythique, parce qu'une épave, c'est un bateau ou un avion qui est cassé, qui a été colonisé par des gorgones, par du corail, qui font que ce moment est vraiment grandiose. Malgré la faible luminosité, Fred a réussi à photographier la rencontre de Pierre sur la proue du navire. Le Togo était un immense cargo qui transportait du charbon. Victime d'une mine allemande en 1918, il repose pour l'éternité sur un fond de sable par 60 mètres de profondeur. Il fait certainement partie des plus belles épaves de Méditerranée. Donc il y a toujours un thème vraiment mystérieux, spécifique, assez magique. Le fait de le faire en apnée, de le faire avec une équipe d'amis qui découvre généralement l'épave en même temps que nous. On arrive sur le site, on descend tous ensemble, on découvre l'épave et puis on s'en va. Et on la laisse comme ça. On est réellement dans la plongée en apnée, dans toute sa splendeur et dans toute sa vérité. C'est vraiment la quête des sensations les plus pures. Autant visuelle, auditive que kinesthésique. C'est vraiment... Moi, personnellement, je me retrouve maintenant enfin dans l'apnée depuis que je ne fais plus de record, du moins cette année, depuis que je ne m'entraîne plus pour une coupe ou une médaille, mais pour des sensations qui sont très, très pures. Pierre explore maintenant la partie centrale de l'épave. L'explosion sur la mine a coupé le cargo en deux parties et la poupe se retrouve distante de quelques dizaines de mètres. Les cales sont grandes ouvertes sur le reste de charbon et de gros treuils hantent à jamais le pont supérieur. Pierre profite au maximum de ce moment de plénitude. La difficulté de pouvoir plonger profond et de rester très longtemps sous l'eau, c'est d'avoir, depuis de longues années, développé des adaptations au niveau des différents systèmes qui sont sollicités au cours de la plongée. Le système cardiaque, hein, où on doit pouvoir contrôler son rythme cardiaque. Les systèmes de compensation, hein, au niveau des oreilles, pouvoir gérer la pression au niveau des tympans. Et puis aussi un paramètre important qui est l'hypoxie, c'est-à-dire la privation d'oxygène au niveau du cerveau, puisque quand on reste très longtemps sous l'eau, l'oxygène est consommé par les tissus et progressivement vont apparaître des phénomènes liés à cette privation d'oxygène et éventuellement des syncopes. Donc pour apprendre à gérer ce type
de paramètres et de contraintes. Il faut un entraînement très progressif et très régulier qui est, je dirais, réservé à des individus d'élite qui se soumettent à un entraînement réellement sportif, un entraînement de haut niveau avec une préparation plusieurs fois par semaine. Ça peut être de la natation, ça peut être des séances en piscine, faire de l'apnée statique, faire de l'apnée dynamique. Ça peut être également faire de la course à pied ou du vélo hein, pour développer ses capacités d'endurance, les capacités aérobies. En tout cas, se soumettre à un entraînement de haut niveau. Pierre et Fred ont repris le chemin des profondeurs. 40 mètres plus bas se trouve le Ruby, une épave de sous-marin. Défendu par un fort courant, ils décident néanmoins de le conquérir à l'unique force des palmes. Une dizaine de records du monde à eux deux suffit à faire dire que le sous-marin ne sera pas long à dompter. Fred pense déjà à ses photos, Pierre à l'endroit où il va se poser. Le reste n'est que formalité. Généralement, avant de partir, j'essaie d'avoir mon idée de photo parce qu'on n'a quand même pas beaucoup de temps au fond. Donc, il faut quand même partir avec une bonne idée de ce qu'on a, une idée du réglage. Et généralement, le réglage est bon. Quelquefois, il faut l'adapter au fond, mais c'est rare. Ça, c'est 10 ou 15% des cas. Mais généralement, le réglage est déjà prévu en surface. J'ai déjà une idée du cadrage. Je me cale avec Pierre. C'est marrant, mais naturellement, on va aller vers les mêmes endroits dans l'épave. Donc ça, je sais, on a l'habitude de plonger ensemble. Donc je sais ce qui va l'intéresser, donc je sais plus ou moins où il va aller. Donc moi, je pars quelques secondes après lui et je le suis pour toujours l'avoir au premier plan. L'apnée va me servir d'échelle pour montrer l'immensité de l'épave et l'ambiance qu'il y a en bas. Ce que je veux, c'est qu'au premier coup d'œil dans la photo, les gens perçoivent, voilà, tiens, ça c'est telle épave, c'est immense, elle est située comme ça. Et ça donne une idée. Donc moi, j'essaie de resituer un personnage dans une espèce de paysage sous-marin, essayant de montrer aux gens ce que représente une apnée dans des conditions comme ça, c'est-à-dire sur une épave profonde, immense, où vraiment on se rend compte que l'apnéiste est tout seul avec lui-même en bas, même s'il y a l'équipe autour, mais qui prend quand même ses responsabilités en descendant là, et en descendant dans ce milieu qui n'est pas le sien, mais dans lequel il évolue quand même avec plaisir. Avec le numérique, c'est vrai qu'on aurait tendance à dire que les images sont un peu dénaturées. En fait, j'aime bien le numérique pour la simple raison que c'est beaucoup plus facile de travailler au niveau de la gestion logistique de l'image. J'ai mon appareil, une grosse carte, ça me permet de voyager léger, de stocker pas mal d'images. Et surtout, j'aime bien pouvoir m'occuper de ma production depuis le moment où je vais déclencher jusqu'au moment où le tirage va sortir. Et ça, le numérique le permet. Le Ruby repose bien droit sur sa quille, comme s'il avait été déposé délicatement sur ce linceul de sable à 40 mètres de profondeur. Son passé est élogieux. Il a servi sous les couleurs alliées au cours de la Seconde Guerre mondiale en jouant un rôle capital dans le conflit maritime. Lors du trajet qui le menait aux mains des ferrailleurs pour son démantèlement, le commandant ne supporta pas ce triste destin. Il décida alors de lui offrir une fin plus digne. Il le coula volontairement le 31 janvier 1958.
Malgré un demi-siècle passé sous l'eau, son état de conservation est remarquable. Il paraît comme endormi, prêt à repartir vers de nouvelles missions. Pierre s'imagine un instant à la place du commandant, sur le kiosque du sous-marin. L'envie de respirer se faisant sentir, il est obligé d'abandonner le navire à son sommeil, tout comme son commandant il y a 50 ans. L'arrêt de l'apnée, le facteur limitant, on pourrait dire de façon la plus simpliste, c'est l'envie de respirer. L'envie de respirer, paradoxalement, quand on est en profondeur, on ne la ressent pas puisqu'il y a un phénomène lié à la pression. Vous avez une augmentation de la concentration en oxygène. Et cette augmentation de cette concentration en oxygène, ça crée une espèce d'état euphorique qui fait que l'individu perd en quelque sorte ses repères et ne ressent plus réellement cette envie de respirer. Donc le paramètre limitant qui est lié à la respiration, il faut savoir vraiment bien le gérer et s'être entraîné à l'information qui est envoyée au corps, parce que sinon on peut très bien perdre connaissance, avoir une syncope. Par rapport à la syncope, il est clair que le risque de syncope est le plus important à la phase de remontée de l'apnéiste. Hein. C'est, on va dire, à peu près dans les 10 derniers mètres de sa remontée, il y a des phénomènes de désaturation au niveau de l'oxygène qui se passent, et brutalement, le cerveau est privé de cet oxygène, et donc on perd connaissance. Évidemment, si on perd connaissance et qu'on est encore immergé, qu'on est encore sous l'eau, on va avoir un réflexe d'inhalation, c'est-à-dire que votre corps, spontanément, il a envie de respirer de nouveau et d'inhaler de l'air et de l'oxygène. Et si vous êtes sous l'eau, au lieu d'inhaler de l'air, vous inhalez de l'eau et vous vous noyez. Donc, il est clair que d'avoir un apnéiste de sécurité, un binôme avec soi qui protège la remontée, c'est un facteur capital pour éviter que l'apnéiste, même s'il perd connaissance, n'inhale de l'eau et se noie. Plonger en apnée à ces profondeurs ne s'improvise pas. Pierre et Fred sont des apnéistes de très haut niveau. Ils pratiquent cette discipline en connaissant parfaitement tous les risques. Ils s'entourent de médecins spécialisés comme le docteur Philippe Afria, qui suit le parcours de plusieurs recordmen du monde. Pierre, comme Loïc Leferme, Olivier Heuleux et Claude Chapuis, est issu de la fameuse école de Nice. Il en applique toujours les règles en termes de pratique et de sécurité. La logistique pour deux apnéistes au fond représente pratiquement 10 personnes en surface. La facilité avec laquelle ils évoluent est le fruit de longues heures passées sous l'eau. Ces immersions ne sont donc pas à la portée de tout le monde. Fred multiplie les difficultés en amenant avec lui son appareil photo. La sécurité et l'hydrodynamisme sont autant de contraintes supplémentaires pour lui. Pour mes photos sous-marines, je travaille donc avec des appareils terrestres en caisson. J'emploie des caissons en aluminium, très solide, vu que je voyage beaucoup, je suis dans des endroits pas faciles, donc je veux quelque chose de solide, qui soit le plus compact possible par rapport à l'appareil qu'il y a dedans, parce qu'en apnée, il faut vraiment penser petit. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler en lumière naturelle. Maintenant, je ne travaille plus qu'en lumière naturelle, d'une part parce que ça colle bien à la philosophie de l'apnée, et également parce que ça permet de travailler avec du matériel plus petit, plus compact. Ça, c'est la première chose. Je travaille uniquement au grand angle dans l'eau, au très grand angle. J'utilise un équivalent 16 mm, puisque mes photos, en fait, j'essaie vraiment de faire du paysage sous-marin et de resituer mes sujets dans un paysage global. Le prophète est assez photogénique. Il a sombré sur un fond de sable entouré de Posidonie par 34 mètres de fond. Les superstructures du navire ont disparu, mais il reste les énormes chaudières et les treuils gigantesques. Le prophète coula ici en mars 1860. Il est une des épaves de vapeur les plus anciennes de Méditerranée. Alors le suivi d'un apnéiste de haut niveau se rapproche de ce qu'on pourrait voir dans d'autres disciplines sportives, avec bien sûr des tests, hein, des tests notamment cardiaques, respiratoires, des tests d'effort, des tests de capacité de saturation en oxygène, pour préjuger de leur niveau d'adaptation, hein, c'est ça qui est important, et de suivre leur progression dans le temps au fur et à mesure des contraintes qu'ils vont s'imposer dans leur entraînement. Les cibles, les organes cibles du suivi sont principalement le cœur, les poumons et le cerveau. Hein. On fait également un suivi prospectif au niveau cérébral pour préjuger là un peu plus à moyen terme ou à long terme des conséquences que peut avoir sur l'activité cérébrale et sur le cerveau le fait de se soumettre de façon prolongée à une privation d'oxygène. Ça, c'est important de le contrôler. La
La pratique de l'apnée requiert de l'entraînement. Entraînement physique, bien sûr, mais aussi à partir d'un certain niveau psychologique. Notre organisme est fait pour respirer et des alarmes sont programmées pour signaler tout manquement. Les médecins qui ont suivi Pierre durant la préparation de ses records ont collecté de nombreuses données scientifiques. Aujourd'hui, en marge de la compétition, il participe plus sereinement à d'autres expériences permettant d'en savoir plus sur l'apnée. Ses entraînements, sous la direction du docteur François Bernier, suivent un protocole de recherche en milieu hyperbare, avec des séances en caisson sur ergocycle en milieu suroxygéné. Pierre va suivre ce programme pendant une semaine. Ce sont ses premières plongées au sec. Alors aujourd'hui, donc, c'est une séance de récupération par rapport à la séance d'hier, qui était une séance de travail fréquence cardiaque seuil. Donc là, il va faire en fait une heure de pédalage sur un vélo à 6 mètres en oxygène pur, à une fréquence cardiaque de 140 pulsations par minute. Donc c'est de la récupération et demain on recommence une séance travail au seuil. Alors l'intérêt d'utiliser l'oxygène pur sous pression et de faire travailler un sportif dans ces conditions, on pense, on n'en est pas sûr, mais on pense que ça permet aussi une meilleure élimination des lactates. Mais aussi, bon, le muscle utilise encore mieux l'oxygène et ça rend l'effort du sportif moins pénible. Il peut donc travailler à des fréquences et à des rythmes plus importants que ce qu'il en a l'habitude ou atteindre des rythmes plus rapidement. Au départ, en fait, on s'est basé sur des études qui ont été faites par le caisson d'Avignon, le docteur Tardieu, le docteur Albertini, avec l'aide de Bernard Gardette, qui ont montré que chez des sportifs, en fait, on rejoignait plus vite le niveau de performance maximale quand on faisait des séances d'hyperbarie. Donc on s'est basé sur cette étude-là pour faire bénéficier à Pierre, en tant qu'apnéiste, une récupération de son meilleur de sa forme plus rapidement qu'en faisant du travail foncier normal en salle de gymnastique. On a opté pour ce type d'entraînement. D'autres ont opté l'entraînement en altitude. Il y en a certains qui ont opté plutôt pour de l'entraînement uniquement spécifique en profondeur. D'autres uniquement en salle sans jamais aller dans l'eau. Donc je pense qu'il y a plusieurs. Ça fait partie d'un fonctionnement, ça fait partie d'un type d'entraînement. Nous, on a choisi de faire celui-là et d'explorer. Attention, rien n'est prouvé que c'est valable. C'est-à-dire que là, on fait un pari. Du moins, moi, je fais un pari. C'est de dire, ok, je sacrifie mon année d'entraînement pour essayer quelque chose. Si ça marche, c'est tout bénef. Si ça n'apporte rien de plus, c'est une expérience en plus. Par contre, si ça ne marche pas, j'ai perdu mon année. T'avoir avec un des points caractéristiques du bateau. Cette zone-ci me semble pas mal. Bon, maintenant on va voir exactement où ils vont nous positionner. Mais entre là et là, on a pas mal de choses. Ici on a la grande superstructure, moi je suis cassé. Mais... Pourquoi on plonge sur le France? En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un gros bateau principalement en bois avec deux belles roues à aubes. Il est posé par 42-43 mètres de fond dans un lac d'altitude. Donc l'intérêt pour nous, c'était vraiment de pouvoir descendre dans un lac froid, dans une période froide, avec des conditions assez difficiles, et faire ce qui n'avait pas encore été fait, à savoir plonger en apnée sur ce bateau. Il est assez beau quand on arrive dessus et qu'on arrive sur la proue, quelque chose d'assez fantastique. Parce qu'il est vraiment, vraiment très fier, bien posé sur l'avant. C'est pas une mince affaire, t'as vraiment très très peu d'autonomie dans ce type de plongée. Hein. C'est vraiment très difficile. Elle se mérite. Le France est une des plus belles épaves en eau douce. Elle repose dans le lac d'Annecy par 42 mètres de fond.
ce bateau à vapeur, avec ses magnifiques roues à aubes, coula en 1971. Les circonstances du naufrage restent particulièrement floues, ce qui rend encore plus mystérieux son exploration. L'absence totale de lumière, une visibilité réduite et une eau dépassant rarement les 4 degrés en font une épave très difficile à plonger. C'est vrai que pour nous, l'attrait principal de plonger dans ces conditions, c'est la difficulté. Le froid, c'est le pire ennemi de l'apnéiste, on l'a toujours su, alors quand il fait moins 4 degrés dehors et 4 degrés dans l'eau, c'est quasiment impossible. Tu trembles quand même, tu consommes énormément d'énergie, énormément d'oxygène. Et une descente à 40 mètres dans ces conditions, elle est très très difficile. On a de l'ordre de 2 à 3 plongées par session. C'est très court. Le moment au fond, il est très furtif. Et on est obligé d'utiliser une gueuse parce que dans ces conditions, descendre et remonter à la palme ou en immersion libre, c'est quasiment impossible. Et ce qui m'impressionne le plus là, c'est en surface, c'est la difficulté à arriver à prendre tout son air. Mais en plus, avec les contractions du diaphragme, le froid, la pression, c'est d'une difficulté extrême et c'est assez plaisant au moins d'arriver sur l'épave. L'autre gros problème pour la photo ici, c'est que moi, travaillant toujours en lumière naturelle, on se retrouve ici avec une eau qui est pratiquement noire en bas. Donc, je dois vraiment bien me positionner par rapport à Pierre et aux lumières des caméras pour pouvoir utiliser cette lumière pour l'éclairer. Le problème, c'est que même en faisant comme ça, il est difficile d'avoir une bonne image. Donc, je dois vraiment travailler avec des très hautes sensibilités. Je fais les essais entre 800 et 1600 ASA pour avoir quelque chose de correct. Donc ça rajoute encore plus de difficultés à la photo en apnée dans ces conditions, c'est certain. Le franc, c'est indéniablement l'épave la plus difficile que j'ai eu à faire, de par les conditions, quelles qu'elles soient. Hein, une eau excessivement froide. Et puis le franc, c'est une épave exceptionnelle parce que la plupart du temps, je descendais seul. Donc j'arrivais seul sur l'épave, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien. Je descendais sur cette gueuse avec ces petits phares et je venais découvrir les plongeurs qui étaient sur cette épave, quand même assez éloignée. Il a fallu nager quand même pas mal de fois pour pouvoir l'atteindre. Je n'ai fait que 4 plongées dessus. La chance de pouvoir entrer dedans, la chance de voir du bois, c'est très rare de trouver des épaves en bois, très bien conservées. Et je me revois disparaître dans l'obscurité la plus totale. Je me revois partir sur ce mât qui est couché sur tribord, ramper dessus et disparaître. Ne plus rien avoir comme repère. Je suis dans le noir le plus total. Je lui échappe à un moment. Une première fois dans le noir et une deuxième fois, je l'abandonne. Fabuleux comme souvenir. Il n'y a pas que les épaves de bateaux qui gisent au fond des mers. Il existe aussi des épaves surprenantes,
comme les sous-marins ou plus rares encore, les épaves d'avion. Le Catalina est bercé de mystères. Ce jour-là, la visibilité est désastreuse et le courant très fort. Le niveau de difficulté est exceptionnel et par 60 mètres de fond, nos deux apnéistes ne pourront qu'effleurer l'oiseau endormi. Si on prend l'exemple d'un avion tel que le Catalina au large de Monaco, c'est une épave qui est peu plongée, qui est peu connue. C'est un avion qui est très rarement enseveli sous la mer, hein, et en plus il est complètement entier et à l'envers. Enfin, c'est pas habituel. Et en plus il est très profond, il est au-delà de 55 mètres. Donc ce qui était intéressant, c'était d'être capable de le trouver en apnée, très difficile parce qu'il faut des amers vraiment très précis. On a peu de plongée parce que 55-58 mètres en apnée, c'est pas aisé. Faire de l'image, pouvoir rentrer dedans, aller vraiment à la rencontre de cette épave qui est vraiment surprenante, qui est colonisée sur un fond de sable et de vase au milieu de nulle part. Partir à la rencontre d'un autre avion, la T6, au large de Cannes aussi, qui est un avion qui est très bien conservé, très peu connu, par contre énormément colonisé, avec beaucoup d'anémones, des grosses rascasses à l'intérieur, des gros chapons, énormément de poissons très très beaux, qui est une épave qui est difficile d'accès parce qu'en plus, elle est posée sur un fond qui ne nous permet pas de nous poser nous aussi au fond. Si on se pose, toute la vase va se soulever et on ne verra plus rien. Donc il faut rester un peu en apesanteur, il faut voler au-dessus de l'avion qui lui est posé sur le sol. En manœuvrant pour apponter le porte-avions USS Midway ancré en baie de Cannes, la T6 heurta la surface le 8 mars 1954. Des ennuis de moteur seraient à l'origine du crash. Le pilote s'en sort indemne. L'épave repose aujourd'hui sur un fond de vase par 41 mètres de fond et sert de refuge à de nombreux poissons. L'épave des moines, on va dire que c'est peut-être l'épave qui m'a, au niveau visuel et au niveau des sensations, celle qui m'a le moins touché, c'est celle qui m'a le moins plu. C'est une épave qui n'est pas connue. Et le fait de l'avoir recherchée, de s'être dit on est sûr qu'elle est là, d'avoir fait plusieurs plongées avec eux et de la découvrir, c'est vraiment la quête des épaves, c'est la quête ultime. Et voilà, c'est vraiment le souvenir que j'en retiens.
les épaves modernes sont beaucoup moins colonisées en espèces vivantes du fait du matériau utilisé pour leur construction. Mais au hasard de leur naufrage, elles représentent un abri bénéfique pour la faune et la flore, et surtout un sujet de recherche pour les archéologues. L'épave des moines, elle, n'a pas encore d'histoire. Elle repose juste par 42 mètres de profondeur, posée à plat sur sa quille. Pierre commence à être bien affûté, les apnées se font plus longues et le plaisir se fait sentir. Malgré l'absence de Fred, Pierre parcourt le navire en solitaire. Toutes ces épaves lui donnent une idée folle, un projet hors norme, mêlant le moyen le plus simple de plonger, l'apnée, avec l'une des machines les plus perfectionnées à ce jour, le sous-marin Remora de la Comex. Pierre va profiter de sa prochaine rencontre avec Fred pour évoquer avec lui ce rêve un peu fou, ce rêve d'enfant. Jouer à 20 000 lieues sous les mers et se rapprocher du capitaine Nemo. Plonger avec une gueuse pour deux raisons. Déjà, lorsqu'on descend sur une épave profonde, pour rester un maximum de temps au fond, il vaut mieux ne pas faire d'effort à la descente. Ensuite, ça nous permet de mieux nous coordonner parce qu'on fait des photos avec Fred. Et ce n'est pas un exploit sportif ce que l'on fait, c'est vraiment une exploration. On va découvrir les épaves au fond de la mer. Et si c'est pour rester 10 secondes en bas, ça vaut pas le coup. Donc il vaut mieux rester une minute trente. Et pour ça, il faut ne pas avoir à faire d'efforts à la descente. Bon, aujourd'hui, donc, ils nous ont positionné là sur l'arroyo. On est dans l'axe de l'épave. L'arrière de l'épave avec l'hélice se trouve à peu près là, de ce côté-là du bateau. Et nous, la gueuse va donc se retrouver à 5 ou 6 mètres de l'épave sur une langue de sable, apparemment parfaitement positionnée. Donc là, ici, le cliché à avoir, ça serait de t'avoir à l'arrière, puisque la partie arrière du bateau est pratiquement intacte avec l'hélice et le gouvernail. Ça serait de t'avoir donc devant l'hélice et le gouvernail, d'accord, puisque c'est la partie la plus caractéristique, la plus belle du bateau. Et évidemment, de t'avoir avec le caméraman et l'éclairage en bas. Tout ça donne une belle photo. L'Arroyo était un navire-citerne de la marine française. À la fin de son service en 1953, il fut coulé volontairement pour en faire un lieu d'entraînement pour les nageurs de combat. C'est le commandant Taillez en personne qui dirigea la mission de sabordage. Il coula au pied du Cap Sissier sur un éperon rocheux par 36 mètres de fond. Ce qui est très important de respecter dans les règles de sécurité quand on pratique l'apnée et comme ces champions des apnées dans des profondeurs très importantes, on recommande bien sûr pour le grand public de ne pas... Il y a plusieurs règles. Premièrement, ne jamais prolonger l'apnée au fond. Et là, ils font exactement le contraire de ce que l'on préconise puisqu'ils passent plusieurs minutes sous l'eau. Mais ça, c'est réservé à des individus d'exception et qui sont très entraînés. Mais premièrement, ne pas prolonger l'apnée sous l'eau, c'est un facteur qui évitera justement le phénomène de syncope à la remontée. Deuxièmement, ne pas faire des plongées trop répétées, c'est-à-dire qu'il faut savoir respecter un intervalle de récupération entre chaque plongée, qui est très important pour en fait éliminer des gaz, puisqu'il y a des gaz qui sont fabriqués, qui se désaturent dans l'organisme, et quand on fait des plongées répétées, au bout d'un certain moment, il va y avoir une accumulation de ces gaz qui peuvent provoquer ce qu'on trouve chez les plongeurs en bouteille, qu'on appelle les accidents de décompression. Donc on peut très bien avoir un accident de décompression chez un apnéiste qui a fait des apnées très prolongées, très répétées, sans observer un intervalle de récupération de plusieurs minutes entre chaque plongée, bien sûr. Et dernière règle de sécurité majeure, c'est de toujours plonger à deux, évidemment, pour la prévention des accidents en cas de petits pépins, de petits risques ou de perte de connaissance. D'avoir un apnéiste de sécurité, c'est capital pour sortir et être indemne. «
Grâce au projet de photos sous-marines de Fred, Pierre découvre cet univers mystérieux des épaves. Des colosses d'acier usés par la mer où le temps paraît s'être arrêté. Le silence des machines, des ponts déserts et seulement des poissons pour équipage. Comment explorer toutes ces épaves? Pierre n'a plus qu'en tête sa prochaine rencontre avec Henri-Germain Deloz, le PDG de la Comex et de son sous-marin, le Remora. Ce petit sous-marin jaune a dû en voir des épaves. Pierre et Fred sont accueillis à la Comex par Bernard Gardette, le responsable scientifique. La société Comex fait partie des leaders mondiaux en technologie et intervention sous-marine. Bernard Gardette a dirigé les plongées les plus profondes du monde, comme Hydra-10 à plus de 700 mètres de profondeur. Il a participé également au protocole de recherche sur le sportif, avec les effets de l'oxygène en milieu hyperbare. Pierre et Fred sont complètement absorbés par les explications du physiologiste. La conquête des grands fonds est passionnante et rejoint un peu leur philosophie. La Comex dispose d'un bassin qui sert à différents essais, comme ceux du projet spatial Hermès il y a quelques années. Ils ne peuvent s'empêcher d'y tremper leurs palmes, en attendant la sortie en mer avec Henri-Germain Deloz et son sous-marin le Remora. Une plongée programmée avec le Janus 2, aux abords de l'îlot du Planier, non loin de Marseille. Alors le Chaouen au Planier, ça a été, on a un peu l'impression que c'est d'être dans un film d'aventure parce que tu pars avec un des plus grands chercheurs d'épaves encore vivants de ce monde, Henri-Germain Deloz, avec l'outil le plus élaboré que l'on puisse trouver sur Terre et sous l'eau, le Remora et le Janus 2, les bateaux de la Comex. Et puis le Chaouen, un bateau qui est magnifique, posé comme ça sur le flanc, dans une eau qu'on attendait complètement claire et qui était complètement glauque. Une épave très difficile, bien que connue, mais par contre rendue magnifique par la présence de ce Remora, de ce sous-marin jaune. Le Chaouen avec le Remora et le Janus au-dessus, dans une eau complètement riche en plancton, vraiment verte, le mot c'est mythique. C'est moi qui l'ai dessiné parce que je dirais c'était pas le principe de nos sous-marins, mais comme je suis pilote d'hélico, je me suis dit il nous faut un sous-marin qui ressemble à un hélicoptère. Et donc cette idée d'avoir des hélices verticales et de travailler comme ça mais sur un joystick d'hélicoptère, hein, je dirais, ça nous amenait à une manœuvrabilité qui n'existait pas dans les autres sous-marins. On l'a, regarde, du coup on l'a fait descendre 30 mètres quand même. La précision du Remora lui permet de se poser sur l'épave. Le Chaouen, lui, en a manqué quand il a heurté un sec non loin de l'île du Planier. Malgré l'intervention d'un remorqueur, il se coucha sur l'îlot et sombra définitivement un jour de février 1970. Le plus sympa, c'est la première fois où on est arrivé sur le Remora avec Fred. Il était posé au fond, il n'y avait pas encore les plongeurs bouteilles. À l'intérieur, ils ne nous attendaient pas parce que forcément, je pense qu'ils attendaient d'abord de voir les plongeurs bouteilles. On s'est posé dessus et on s'est découvert par la suite. C'était vraiment super, vraiment magnifique. Ouais.
Bon, d'abord, c'est la première fois qu'en sous-marin, en général, on va très profond. Et quand on voit des plongeurs, c'est toujours des excités avec des bulles et tout et tout. Et là, d'un seul coup, on est dans le calme parce qu'il est là, il sourit, il fait coucou. Puis moi, d'amener même à ces profondeurs, je reste peut-être 3 secondes. Puis on a l'impression qu'il peut y passer un quart d'heure sans aucun problème. Donc, c'est une expérience intéressante. Sur ce geste, chargé de symboles, se termine aussi l'aventure de Pierre et Fred. Cette aventure, elle nous a permis de renouer avec la nature, de renouer avec la vérité. On a fait pendant 10 années de la plongée en apnée à l'intérieur de nous-mêmes. On a couru après des coupes, on a couru après des trophées, on a couru après des podiums. Et je le regrette, mais alors pas du tout. Mais par contre, on s'était énormément éloigné des animaux, des mammifères, du sol. Parce qu'en fait, quand on essaye de descendre à 150 mètres sous la mer, ben, il n'y a que du bleu et du noir. Et là, on a renoué avec la vérité et on a intériorisé énormément l'apnée pour devenir des champions. Et maintenant, tout ce qu'on a emmagasiné, on arrive à le refaire ressortir, à le refaire sortir et à le redistribuer. C'est vraiment un retour à la nature.